Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. L'application que nous allons traiter est la suivante. Dans chacun des cas qui nous sont proposés, nous allons indiquer quels sont les actifs amortissables et quelle est leur base d'amortissement. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni. Puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans le premier cas, nous avons l'acquisition d'un mobilier, 2000 euros hors taxe, avec une remise de 5%, un rabais de 10%, une TVA 19,6%. La base amortissable de notre mobilier sera égale au montant net commercial puisqu'il n'y a pas de valeur résiduelle, par conséquent 1710 euros. Cas petit b, l'acquisition d'un camion, 20 000 euros hors taxe, TVA 19,6%, c'est un cas simple, la TVA est déductible, il n'y a pas de réduction ni de valeur résiduelle, par conséquent la base amortissable est de 20 000 euros. Troisième cas, l'acquisition d'un véhicule de tourisme. 15 000 euros hors taxe, TVA 19,6%, carte grise, 200 euros. La carte grise ne fait pas partie du coût d'acquisition du véhicule, puisqu'elle s'enregistre dans un compte de charge, le compte 6354, droit d'enregistrement et de timbre. En revanche, la TVA n'est pas déductible pour l'acquisition d'un véhicule de tourisme, et par conséquent, la base amortissable sera le montant TTC, c'est-à-dire 17 940 euros. Cas petit d, l'acquisition d'un ensemble informatique composé d'un ordinateur, 2000 euros hors taxe, d'une imprimante, 600 euros, et de cartouches d'encre, 100 euros hors taxe. La facture mentionne une remise de 5% et une TVA de 19,6%. L'imprimante et l'ordinateur donneront chacun lieu à l'élaboration d'un plan d'amortissement. Les cartouches d'encre ne seront pas amorties puisqu'elles s'enregistrent dans des comptes de charge. La base amortissable de l'ordinateur sera égale au montant net de l'achat, c'est-à-dire 1900 euros. Même principe pour l'imprimante, 570 euros. Petite e. L'achat d'une calculatrice, 150 euros hors taxe, rabais 10%, TVA 19,6%. Si l'acquisition de cette calculatrice a été enregistrée en charge, ce qui est possible, puisque son prix unitaire est inférieur à 500 euros hors taxe, eh bien, elle ne sera pas amortissable. Si cette option n'a pas été exercée et que la calculatrice a été enregistrée dans un compte de classe 2, alors, sa base amortissable sera égale au montant net de l'achat, c'est-à-dire 135 euros. Cas F, l'acquisition d'un terrain, 90 000 euros, ne donne lieu à aucun amortissement, un terrain n'est pas amortissable. Enfin, l'acquisition d'un outillage pour 700 euros hors taxe avec un escompte de 10%, TVA 19,6%, la base amortissable sera égale au montant net financier enregistré au moment de l'acquisition, c'est-à-dire 630 euros.